sommes là pour le service divin. Pourquoi pas tu as kazi ya ubatizo? Et nous voulons être vraiment des témoins de ce que le Seigneur a fait parmi nous. Lui qui a convaincu cette jeune fille à prendre la décision pour le Seigneur. Et je vais lire dans le livre de Marc. Ok. Minta soma mukitabu ya Marco. Au chapitre 16. Mukitabu yake ya mumustari ya 16. Sura ya 16. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité. Ivi akaonekania wa 11 wenye wale wakati walikuwa kumeza na akawaelezea juu ya kutokuamini kwao. Et la dureté de leur cœur. Na ile moyo mgumu walikuwa nao. Parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui avaient vu ressusciter. Juu au kuamini wenye waliwaelezea kama anesha fufuka. Puis il leur dit, na hivyo akawaelezea, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mwendeni ulimwengoni mzima na mwende mhubiri habari njema kwa mataifa yote. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mwenye ataamini na mwenye atabatizwa ataokolewa. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mwenye asitaamini atahukumiwa. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ii miudizo itaweza kuenda pamoja na wenye wataamini. Amen. Amen. Nous voyons ici, c'est à la résurrection de Jésus-Christ. Tuko hapa kuile ufufuko ya Yesu Kristo. C'est le jour que le monde entier célèbre aujourd'hui. Leo ni siku ya ufufuko ya Yesu Kristo dunia mzima iko katika ile inashangilia. La résurrection de Jésus d'entre les morts. Ufufuko wa Yesu Kristo tokea lufu. Si Christ était seulement resté dans la tombe. Kama Kristo alibakia ndani ya kaburi. Mangeons, buvons puisque nous allons mourir. Paulo anasema hivi tukule na tukunywe njoo sisi tutakufa sisi wote. Mais Christ est ressuscité d'entre les morts. Lakini Kristo alifufuka tokea wafu. Et c'est la preuve que tous ceux qui croient en lui même si nous mourons un jour nous allons ressusciter. Ile ni hakika ya kama hata sisi wenyewe wanaamini tukakufa na sisi tutafufuka pia. Mais voilà que quand il est ressuscité, hivi wakati alifufuka, il y a eu des femmes qui sont allées. Kulukuya wanawake wale walienda kukaburi. Ils ont vu que la tombe était vide, Christ était ressuscité. Na waliona kama kaburi ilikuya mkukwe mutu, ilikuya vide. Il y a eu encore des disciples qui sont allés. Na kulukuya wa mitume nao walienda pia. Ils ont vu les choses comme les femmes leur avaient dit. Na wao walihakikishia sawa vile wale wanawake waliwelezea. Mais il y a d'autres qui n'ont pas cru. Wengine wakuamini. Quand Jésus leur est apparu, wakati Yesu aliwaonekania, il les a reproché la dureté de cœur. Aliweza kuelezea juu ya mioyo migumu yao walikuwa nazo. Maintenant, il leur dit, allez maintenant partout. Sasa hivi akawaelezea kama mwende ulimwenguni mzima. Prêchez la bonne nouvelle. Mhubiri habari njema. Quelle est la bonne nouvelle? Habari njema ni nini? Ce n'est pas que Dieu est créateur. Haiko ya kama Mungu ndio muumbaji. Non, laquelle est la bonne nouvelle? Habari njema ni nini? Ce n'est pas seulement que Christ est mort. Haiko kusema kama Kristo alikufa tu. Non, quand Christ est mort. Wakati Kristo alikufa. Les disciples étaient attristés. Wa mitume walikuwa na mioyo yao weko wanahangaika, wanafadhaika. La bonne nouvelle est que Christ est ressuscité. Lakini habari njema ni kusema kama Kristo alifufuka toka wafu. Comme il est ressuscité d'entre les morts. Sasa hivi alifufuka toka wafu. Nos péchés sont effacés. Mazambi zetu iko inatoshwa. Nous tous qui croyons en lui nous sommes sauvés. Na sisi wote wenye wanaamini ndani yake tunaokolewa. Il intercède pour nous. Na yeye kwa natuombea. Et notre problème a été résolu. Na maneno yetu yote ya zambi ile ilipata ma réponse kwa ile. Allez partout majibu. Et prêchez cette bonne nouvelle. Sasa akasema mwende ulimwenguni mzima mhubiri habari njema. Celui qui croira. Mwenye ataamini. Il croit quoi? Anaamini nini? Il croit que Jésus est mort. Mwenye anaamini kama Yesu alikufa. Et il est ressuscité. Na alifufuka toka wafu. Il se fera baptiser. Yeye ule atabatizwa. Il sera sauvé. Na yeye ataokolewa. Mais celui qui ne croira pas. Mwenye asitaaminia. Sera condamné. Yeye atahukumiwa.
Un homme peut faire tout ce qu'il peut. Mutu anezi fanya chochote anapenda kwa hii dunia. Mais il ne croit pas en Jésus-Christ. Lakini kama siamini ndani ya Yesu Kristo. Il est perdu. Eko mwenye kupotea. Et celui qui croit. Na mwenye anaamini. Celui qui prend le baptême. Ni ule anakamata ubatizo. Mwenye qu'il croit. Jua kwa kishia kama yeye anaamini. Il n'est pas venu faire l'aventure. Ya kama Yesu Kristo akokuwa kufanya mchezo pa hii dunia. Il est venu mourir à cause de lui. Lakini alikuwa kufa juu yake. Il s'identifie. Hivi yeye anambatana. Par la mort. Kwa kifo et par la na kwa kufufuka. Aujourd'hui parmi nous, leo katikati yetu cette jeune fille, uyu kijana mwanamke a fleur d'âge, elle a pu comprendre mwenye angali binti qu'elle ne peut pas continuer sa vie sans Christ. Anasikia kama siwezi endelea maisha yake bila Kristo. Elle veut donner sa vie dès sa jeunesse. Anapenda to peleka kutoa maisha yake angali binti angali kijana kwa Yesu Kristo. Et nous sommes venus comme des témoins. Na sisi tunakuwa sawa shudia. Pour cet acte de foi qu'elle veut poser. Juu ya kitendo ya imani yenye anapenda onesha. Nous glorifions le Seigneur. Tunampikia Bwana asante. Puisqu'il nous a donné la révélation. Juu alitupatisha ufunuo. Nous connaissons comment se fait le baptême biblique. Tunajua vile ubatizo ya Biblia inafanyika. Le baptême biblique se fait dans l'eau. Ubatizo ya Biblia inafanyika ndani ya maji. Une seule fois dans l'eau. Mara moja ndani ya maji. En invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mukuita ile njina ya Yesu Kristo. Car Jésus a dit. Juu Yesu alisema. Le pardon. Ya kama usame. Et la repentance. Na kutu na ku repentance. Kusamao. Seront prêchés en mon nom. Itaubiriwa ndani ya njina langu. À toutes les nations. Kwa ma taifa yote. Alors aujourd'hui. Leo. Voilà ce que tu vas faire. Hivi utafanya Rachel. Nous n'avons pas besoin de connaître tes péchés. Sisi hatupende kujua mazambi yako. Mais c'est le Dieu du ciel. Mungu wa mbinguni. Devant qui tu te repens. Mwenye kule utaenda tubu makosa yako. Et tu prends l'engagement. Na wewe unakamata ile mpasho. De renoncer au mal. Ya kuacha ubaya. De renoncer à l'incrédulité. Na kuacha ile kutokuamini. Même un enfant, tu es né dans le péché. Hata wegari mtoto ulizalikwa ndani ya zambi. Et donne raison à Dieu. Na unampatia Mungu raison. Prends la résolution de le suivre. Kukamata mpaka ya kumfuata Bwana. Tu vas demander ton pardon auprès de Dieu. Utaomba ile usamee kutokea Mungu. Et quand tu entreras dans l'eau. Wakati utaingia katika maji. Le frère va te plonger. Nduku yeye atakutia katika maji mingi. En disant. Mukusema. Sur base de ta foi. Yulu ya imani yako. Je te baptise au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mina kubatiza ndani ya Bwana wetu Yesu Kristo. Et il va te plonger une seule fois dans l'eau. Na atakutia mala moja ndani ya maji mengi. Et priera pour toi. Na ataomba juu yako. Pour que le Saint-Esprit se te soit aussi Ivi robu takatifu ikupewe. C'est comme cela que ça se faisait au temps des disciples. Ni vile ilikuwa nafanyika wakati wa mitume. Et c'est comme ça que nous le faisons. Na ni vile sisi tunafanya pia leo. Donc prends ton engagement devant le Seigneur. Kamata ushuda yako ama kukamata ile decision yako kumbele ya Bwana. Repent-toi. Upate kutubu. Regrette. Na upate kuya na uzuni. Ombe usame. Ce pardon t'a déjà été accordé. Usame ilisha kukupatishiwa tokea msalaba ya Kalvari ya Golgotha. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Que Dieu bénisse l'assemblée. Na Mungu abariki taifa yote. Amen. Amina. Nous chantons. Hivi tuko tunaimba. Le frère va faire ainsi le service. Wakati nduku yuko nenda mumaji tu ya kutumika kazi ya ubatizo. Tu es dans l'atmosphère de prière. Uko mwaile. Unaweza kuja hapa unaomba, unatubu. Le frère va t'appeler et tu vas le suivre, il te plonge dans l'eau. Oui, j'aime Jésus. Oh, j'aime Jésus qui soit loué. Oh, j'aime Jésus, mais Jésus, j'aime Jésus, qui soit loué, ah, oh, qui soit loué, amen, qui soit loué, amen, loué, ah. Jésus qui soit loué, oh qui soit loué,
qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Oh Jésus, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Mais qu'il soit loué. Alléluia, qu'il soit loué. Amen. Nous allons ensemble remercier le Seigneur, puisque la Bible dit, lorsqu'il y a une âme qui se répand, c'est une joie au ciel. C'est une joie aussi parmi nous. Que Dieu bénisse cette jeune fille. Nous aussi en tant qu'église, je désire que nous puissions dire un mot de remerciement au Seigneur. Et souvenons-nous aussi de l'engagement que nous avions pris ce jour-là devant le Seigneur. Et demandez aussi à Dieu qu'il renouvelle en vous la force. Prions tous ensemble. Bien-aimé notre Père Céleste, nous venons devant toi avec cet enfant Père qui a accepté le sang de Jésus-Christ, qui a fait confession devant le peuple, devant les anges de Dieu, que Christ est mort pour elle et qu'il est ressuscité pour sa justification. Reçois Rachel dans ton royaume. Baptise-la de ton esprit, de ton feu, que sa vie change, qu'elle soit sauvée pour toujours. Accorde-lui le plein pardon à cause du sang dans lequel elle a cru. Bénis ses parents, bénis l'église qui l'a accompagné pour être témoin. Bénis chacun de nous, Seigneur. Nous renouvelons notre engagement devant toi. Selon qu'il est dit, que ceux qui se confient dans le Seigneur, ils renouvellent leur force. Ils se lancent comme des aigles et ne se fatiguent point. Bénis ton peuple, bénis la fille, bénis ton église, c'est que ton œuvre prospère partout dans le monde, qu'il y a encore beaucoup d'âmes gagnées à la gloire de ton nom. Nous te remercions en cette journée de Pâques, au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, celui qui revient bientôt, celui qui nous a sauvés, à lui l'honneur et la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.